Ok, salut à tous et bienvenue dans le 12e épisode de Subnautica. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, car aujourd'hui, oui, ça y est, un épisode que vous attendez depuis longtemps. Aujourd'hui, direction les profondeurs insondables de cette planète. Et aujourd'hui, on va se rendre directement, non pas au Ghost Leviathan qui est juste en face, là-bas. Oh, je le vois plus. Mais on va se rendre directement ici, à cet endroit, dans la Lost River. Et c'est pas pour rien que je me suis installé là. Je suis littéralement à côté de l'entrée de la Lost River. Et ça, c'est juste trop trop bien. Donc aujourd'hui, on va visiter un petit peu ce biome, voir un petit peu les atrocités qu'il y a dedans. Et on va faire 2-3 petits scans aussi. J'ai bien envie de scanner 2-3 créatures et récolter quelques minerais, notamment du soufre et également du nickel. Comme ça, ce sera nickel. Ah, d'ailleurs, regardez. Une nouvelle créature. Elle est un peu dégueulasse, celle-là. Je vous l'accorde. Est-ce que... Ah, mais je l'avais déjà scan parce qu'en fait, un Warper m'avait fait spawn ce genre de truc dessus. Ouais, ce sont des choses qui arrivent, voilà. On se balade, il y a des trucs immondes qui nous spawnent sur la tronche. Ça fait plaisir. Waouh, ce biome est incroyable. Et d'ailleurs, il y a un juvénile Léviathan dedans, c'est super. Ah, il faudra qu'on le scanne, celui-là aussi. Ouais, je suis pas pressé de le faire. Mais bon, en attendant, on va scanner ces incroyables poissons. Des rôdeurs spectrales. Enfin, des rôdeurs spectraux, du coup, je suppose. Ah non, tu m'attaques pas, hein. Non, c'est juste pour la photo. Aïe, putain, il fait mal quand même, hein. Oh la vache. Allez, hop, on remonte dans le bateau. Oh bah, j'ai fait 3 mètres, comment dire. J'ai trouvé du soufre. On va essayer d'obtenir ce soufre de la manière la plus douce qui soit. Sans mettre trop la tête dans le nuage toxique. Ah, j'ai pas le choix. Oh, c'est réussi. Ok, le soufre, c'est bon. On en a eu un petit peu. On va essayer d'en avoir un peu plus. D'ailleurs, ils sont un peu énervés aujourd'hui, hein. Oh, mais lâche-moi. Oh, mais dis donc. Okay. Bon, est-ce qu'on peut scanner ça? Des amiboïdes. Oh, incroyable. Ok, c'est bon. C'est fait. Autre chose que je pourrais scanner? Non, peut-être. Je sais pas. Ah, peut-être j'aurais pu scanner le soufre. Ah, bon, bah, si j'en trouve un autre, je vais essayer de le faire. Effectivement, on peut le faire. Hop, c'est bon. C'est dans la poche. Du coup, bah, y en a plein ici. On va en ramasser le plus possible. Mais sans déconner, mais tu veux pas me foutre la paix? Bordel. Bon, bah ça c'est fait. Tiens, du lithium, j'en ai... Voilà, j'en ai jamais assez. Je vais toujours en ramasser dès que j'en trouve. C'est plutôt pas mal. Ces plantes-là, on peut pas les scanner. Je fais attention parce que... Il y a quand même un Ghost Leviathan qui se balade ici, même s'il est juvénile. Il est quand même très présent. Autre chose que je peux scanner? Pas vraiment, hein. J'ai l'impression... Ah! Ok, on va utiliser la pile ionique. Comme ça, on va pas s'embêter plus. Bon! Bah c'est cool. Des poissons peut-être? Non? Pas de poissons? Bon bah écoutez, je pose ce... Ouais, non, ça c'est de l'uranite. Là, il y a encore un peu de soufre. Tiens, on va prendre un dernier. Un dernier pour la route et on retourne à notre simote. Oh bordel, je crois qu'il nous a un petit peu repéré. On va faire attention, hein. On va se balader tranquillement, doucement. On va essayer de se cacher dans les petites interstices, hein. Et on va surtout esquiver le pépère là-bas parce que... Oh ouais, c'est pas que voilà, mais il m'inspire pas trop confiance aujourd'hui. Donc, hein, soyons prudents. Tiens, on va descendre ici. On va passer à bientôt 700 mètres de profond. Ça y est, on est à 700 mètres. On va atteindre les 800 mètres. On va littéralement arriver à 800 mètres. Waouh, incroyable. C'est tellement abusé ce biome. Il est fou. Ok, on est à 800 mètres et il y a... Oh, il commence à avoir des carcasses et des nouvelles créatures d'ailleurs qui se montrent petit à petit. Waouh! Oh, j'ai tellement hâte d'aller visiter tout ça. Ça va être trop trop bien. Même si c'est la 50e fois que je les visite, hein, ces choses-là. Je vous cache pas que c'est franchement trop cool. Alors ici, il fait 43 degrés. 44, non, là, ça redevient chaud. On va redescendre un petit peu. Là, 40 degrés. 40 degrés, je crois que j'arrive à supporter cette température. 46 ici. On remonte, j'essaie de trouver vraiment un endroit, voilà, ici. Comme ça, je peux scanner la carcasse de Léviathan. Oh, sans déconner, carcasse de Léviathan quand même, hein. Du coup, qui c'est qui a mangé le Léviathan? Ça, c'est la question. Cet arbre, il est absolument
Magnifique, mais terrifiant en même temps. Pourquoi il est terrifiant alors que c'est un biome complètement tranquille et paisible? Tout simplement parce qu'en fait, il contient des œufs et des œufs de Ghost Léviathan. Waouh, je brille de mille feux. Ah, ça fait peur. Donc, ce que vous voyez à l'intérieur ici, c'est un embryon de Ghost Léviathan. Ouais, non, mais ça fait flipper, hein, c'est ce que je vous disais. C'est pas des plus rassurants, mais tout ça, ce sont des œufs. Voilà, c'est joie et bonne humeur. Tiens, on va en profiter, on va scanner les raies. Est-ce que c'est des raies spectrales? Comment ils appellent ça? Des raies spectrales, tout à fait, absolument. Hop. Oh là là, on voit les organes internes et tout. Oh, c'est un truc de fou. Et du coup, alors elles sont totalement paisibles et gentilles, hein, y a pas de souci. Si je vais là-dedans, cette brume, je devrais trouver du nickel. Oh oui! Et ça, c'est nickel. Oui, enfin bon, vous avez compris. Évidemment, j'en ai profité pour scanner le minerai de nickel. Comme ça, c'est fait. Écoutez, on a terminé ce biome. Je pense qu'on va pouvoir passer au couloir suivant de la Lost River et voir un petit peu ce qui nous attend. Oh non! Oh non, pas encore des restes squelettiques. Oh, j'en ai beaucoup trop scanné. Oh la vache, il y a des caches thoraciques là-bas. Mon dieu. Bon, qu'est-ce que... Non, ça on peut pas scanner. Ok, très bien, on remonte. Y a pas un Ghost Léviathan ici des fois, hein? Parce que bon, c'est que... Ah ben, je suis pas très tranquille. Hein. Oh la vache, la taille de la... Bon, on a une mission radio d'ailleurs qui nous est donnée. Ça, on avisera un petit peu après. Mais la taille de la cage... Waouh. Est-ce que c'est le... Chauffard. Est-ce que cette cage se scanne? Nah, elle se scanne pas. Je suis désolé, je vais faire un petit coup de sonar ici. Parce que... Ghost Léviathan, voilà pourquoi. je savais qu'il y avait une bonne raison de... Ceci est un crâne. C'est un crâne de quoi? Ok. On va essayer de se mettre safe. Est-ce qu'on peut scanner le crâne? Oh oui. Reste squelettique. Ok, vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi. Ok. Bon. Jusque-là, tout va bien. Est-ce que réellement, il faut que je me barre d'ici? On va tenter de s'échapper. C'est bien parce que j'ai un lanceur de torpilles, mais je n'ai pas de torpilles. C'est pratique. Ok, on va essayer de s'échapper un peu par ici, voir un petit peu ce qu'il y a. Bienvenue dans Alien. Non mais le crâne là, ça c'est un crâne d'alien, non? La vache! Oh là là là, hop, il y a des machines et tout. Oh, nom de Dieu, mais c'est un musée alien. Non mais regarde le truc. Bordel! Ah ça c'est ancien squelette. Ah oui, oh, heureusement qu'il est ancien et pas actuel, hein, parce que ce serait quoi la bête? Waouh. On ira lire tout ça. Enfin, j'irai lire et puis si ça en vaut la peine, je vous le partagerai parce que là, clairement, c'est juste impressionnant. Et ça, on peut scanner là les toyaux? Non, les toyaux. Ah si! Capteur alien. Waouh. Ah, il y a des interférences, j'ai l'impression, par ici. Ok. Et les lampes aliens, on peut les... Non. Et oh, il y a un portail ici, j'ai l'impression. Cool, il va falloir des tablettes et tout. Chose que je n'ai absolument pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi? C'est du nickel encore. Ok. Chouette. Et quelle couleur la tablette ici, du coup? Allez, je dis violette. Jaune. Ah putain. Bon, ben, on reviendra, je suppose, parce que j'ai absolument rien de quoi faire, malheureusement. Ah ah, je viens de trouver des nouvelles ampoules aliens, sûrement des ampoules qui vont nous mener à une nouvelle base alien. Oh, encore des toyaux. Et oh, des trucs qui flottent. Eh, c'est... Ah ben voilà. Eh ben voilà une sacrée base alien, et franchement... Cool. Cette structure semble s'être écroulée du sol marin. Oh, la vache. Oh, trop bien. Donc là, techniquement, on se situe en dessous
de là où il y avait le canon hein, qui a tout poutré là. Bah écoutez, je pense qu'on a deux, trois petites choses à visiter là-dedans. Hein, on va laisser le sous-marin ici à l'entrée. Et puis nous, on va prendre notre petit scooter. On va ramasser les cubes ioniques. Excellent. Là, il va falloir une tablette de couleur violette. Et bah, on dit donc, on fait une collection de tablettes là. Ah, j'aurais peut-être dû scanner le terminal jaune, non ? Ah, peut-être pas, je sais pas. Bon, peu importe. On va continuer à visiter tout ça. Alors là, je pense qu'il y aura pas mal de choses à scanner, hein, sans déconner. Vu la taille du truc. Ouais. Je pense que on va sortir le scanner. Et puis on va faire un petit peu le tour du bordel. Ça, j'avais déjà scan. Ok. Ici, il n'y a rien. On va descendre un petit peu. Là, la vitre, elle est brisée. Il n'y a que dalle dedans. On va passer à la pièce suivante. Et oh, ok, ça commence. Avec un œuf. Un gros œuf. Ouais. Petit œuf alien. Cage thoracique, cool. Bon, ça va, elles sont petites, celles-là, ça passe. Pour une fois. Spécimen de raie. Eh, on les a toutes croisées, hein. On les a toutes croisées, ça, c'est cool. Ok. Et c'est un véritable musée, le truc, hein. Terminal de données, hop, téléchargement. Oh, trop bien. Trop, trop bien. Ah, un petit cube ionique en plus, ça fait plaisir. Eh, c'était quand même un gros bestiau, hein. Mais il a l'air un peu plus sympa que ce qu'on a croisé jusqu'à maintenant. Hop, on va boire un petit coup. Faudra que je mange aussi à l'occasion. Mais non, il a l'air plus chouette celui-là. Ah non, c'est plus agréable déjà. Alors, est-ce qu'on peut scanner quelque chose là-bas? J'ai pas l'impression. On va faire un petit tour quand même. Ne sait-on jamais. Et peut-être qu'on va trouver d'ailleurs un petit poisson. Ouais, cool. Viens par ici, toi. Viens ici. Allez, viens. Hop. Alors, je sais pas si c'est autorisé de bouffer les visiteurs du musée, mais j'ai faim. Voilà, rien d'autre à dire. J'ai la dalle, c'est parfait. Bah, c'est cool. Là, on a tout vu, tout scan, je crois. On n'a pas été dans la gueule du truc. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la gueule du truc? Non, il n'y a rien du tout. Bon, au moins, on sera venu. Sûrement qu'on aura vaincu. Bon, apparemment, ici, c'est la salle des tortures, hein, j'ai l'impression, avec des têtes, des torses, des bras suspendus. Ouais, c'est un peu le bazar, ici. Hop, on va d'ailleurs prendre les données. Parfait, cool. Profil de contagion de Kara. Oh, excellent. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. D'ailleurs, j'avais remarqué, on a oublié quelques spécimens encore de raies juste là. Voilà. Bon, sans plus. Et puis l'œuf ici, il a été scan. Bah écoutez, moi je pense que... Hein? C'est pas mal là, le petit tour qu'on a fait, franchement. Ça fait plaisir. Là, il n'y a rien de spécial en plus à scan. Donc moi je dis, retournons ici, dans notre petit vaisseau. Et puis il faudra donc une tablette violette. Et à l'occasion, peut-être trouver une tablette orange pour trouver... Pour ouvrir le petit sas là qu'on a vu tout à l'heure. Du corail de feu. Ouais, c'est sympa de scanner ça sous le Ghost Leviathan qui te fonce dessus. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas récupérer. On se barre. Vite. Oh, putain. Oh, la vache, elle était pas loin. Oh. Ah, plus jamais tu me fais ça. Oh, il a l'air énervé quand même. On va se barrer par là. Alors, je sais pas où ça va nous mener. Je crois que c'est la sortie du côté de Pomponland, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, encore un merci à Varg, hein, d'ailleurs, pour ce nom-là. Maintenant, j'ai un nom pour le biome, c'est cool. Direction donc Pomponland. Et puis on va faire le tour pour rentrer chez nous. On ira également se chercher une tablette. Et quand on reviendra, je pense, dès le prochain épisode... Oh, il y a quelque chose à scanner ici. Dès le prochain épisode, quand on reviendra avec notre cyclope pour aller encore plus profondément. Et ça va être terrible. Tiens, on va en profiter. Hop, petit scan. Je peux pas... Ah, je l'ai peut-être déjà scanné. Je crois... non, j'ai pas souvenir. Bon, on peut pas le scan, celui-là, alors, apparemment. Je crois qu'en fait, c'est une sorte de mise en garde, tu vois. Genre, vu qu'ici, c'est une entrée, t'arrives, tu vois un squelette de Léviathan, tu te dis, oh, putain, c'est peut-être pas le bon endroit pour venir en vacances ou quoi. Enfin, bon. En tout cas, nous, on a passé un bon moment, c'était cool. On a découvert plein de trucs. C'était vraiment sympa. Reste encore, du coup, à aller encore plus profond. Hein. J'ai vu que ça descendait à mort. Donc, ouais, on a encore des choses à visiter. Mais c'est déjà pas mal. Ah, de retour à la maison avec le nouveau message radio. Ah, super. Ah ben ça valait la peine, hein.
Ok, bon ben je suppose que c'était une lettre d'amour. Voilà, c'était une lettre d'amour qu'on a reçue de la part d'une extraterrestre bizarre, je suppose. Bon, ben en tout cas merci le message radio, c'était nécessaire de me l'envoyer maintenant. Hein, bon, bref. Alors du coup je transforme vite tout mon titane en fait. Et puis je pense qu'au prochain épisode, on va prendre le prawn et le cyclope. D'ailleurs, à propos, on peut faire techniquement les améliorations, hein. Et si je dis pas de bêtises, attendez, MK2, non ça c'est pour le truc, on s'en fout, Cyclope, MK2, lingot de plastacier et 3 minerais de nickel, c'est nickel, et pour le lui on peut pas, hein, le MK2 du prawn on peut pas, par contre on peut faire le MK2 du Cyclope et ça c'est trop cool, donc il me faut juste un lingot de plastacier et le MK1 qu'on a déjà dans le Cyclope je suppose. Hop, lingot de plastacier. Alors, on va juste poser ça. Hop, tac. Voilà. Et puis, on va aller faire ça tout de suite. Un petit kit de soins, c'est gratos. Et je vais vite aller chercher un petit peu ce qu'il y a dans le cyclope. D'ailleurs, le cyclope aussi, on va pouvoir faire quelques améliorations. Plutôt pas trop mal. Notamment le système d'extinction d'incendie, je crois. Enfin, le truc automatique, là, ça serait cool de l'avoir. Je vais aller regarder un petit peu ce qu'on a. Et paf! Ouais, donc ça, on peut le faire, du coup, avec deux aérogels. Ça on peut pas encore le faire, et puis bon le MK on l'a, batterie, tout ça on s'en fout un peu. Ouais, ok nickel. Du coup, on prend le MK1 et on va faire le MK2 directement. J'espère juste que je suis pas une profondeur critique. Comment ça il a pas de MK1? Comment se fait-ce? T'as même pas fait le MK1? Attends, je peux aller à quelle profondeur là? Putain, c'est une blague. Je peux aller à 500 mètres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, je vais faire le MK1 tant qu'à faire aussi. Par contre, bonne nouvelle, on a une tablette orange. Je sais pas où je l'ai eue, mais je suis ravi de le réapprendre du coup, ça fait plaisir. Tiens, on commence à avoir soif aussi. On va se dépêcher. Hop, tac. Ok, nickel. Je vais prendre un petit peu de rubis, je vais prendre à boire. Et on va juste terminer l'épisode sur un dernier truc. Alors attendez, on va juste... Ah tiens, l'aérogel, ça, il va m'en falloir. Le titane, on s'en fout, hein, j'ai envie de vous dire. Tac, 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 verre émaillé, lingot de plastation, on sait jamais. Oui, il m'en faudra deux, de toute manière. Des rubis, il m'en faut. Et le reste, on s'en tape, hein. Je crois que ça sera bon. Dernière chose que j'ai envie de faire, c'est juste aller voir si je peux aller scanner quelque chose dans mon aquarium. Parce qu'il y a des poissons, je crois que je les ai encore jamais scannés. Et du coup, ça serait l'occasion de faire un tour du bestiaire, là. Ok, donc ça... Ah, Ray Lapin, je l'ai jamais scan. Ok. C'est l'occasion. Poisson torpille, j'ai scanné. Tout ça, j'ai scanné. Rôdeur. Anguille Tesla. Ah, le Kaliner, je l'avais pas scanné, tiens. C'est parfait. On va le faire. Hop, nickel. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Cool. Il me manquera plus que les trucs qui envoûtent, là. Et on aura tout. Et ben, c'est parfait. Ben, les amis, petit pouce bleu. Hein, histoire d'encourager la série. Et puis nous on se retrouve au prochain épisode. En attendant, ils me prennent vraiment pour un gros, hein. Non mais sans déconner, pas assez de place pour s'asseoir. Bon, bah sur ce, rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Et gardez le calme, comme me le dit le petit poster.